Alors donc on est de retour. Donc, bon, je vais faire un petit peu de ménage, un petit peu de combinaison. Donc on est de retour hein, pour vous, voilà, nouvelle vidéo. Moi je continue mon périple. Je vais ressortir. Donc voilà, puis bon, encore une fois, on fait un bout de chemin, on va voir où ça va. Où ça va. Où ça va nous emmener? Suis complètement con, je me gourre de direction. Faut dire que ça commence à faire un peu long. Donc l'ascenseur est là, donc je vais prendre évidemment tout ce qu'on a à prendre. On n'a rien d'autre à prendre. Ok. Et voilà. Bien. Splendide. Donc non, bah, j'ai pas grand. J'ai pas grand chose à rajouter. Je vais regarder un peu là. Salazar had his chat. Je me souviens plus. Krauser, go get the girl. Go Razorbear! Dispose of this swine while you're at it. Consider it done. Et Krauser, voilà. La skill de Krauser. Donc là voilà, alors on va voir, voilà. Mort du personnage 58 fois. Putain, 58 fois. 58 morts. Ah la vache. Impressionnant. Donc oui, on va sauvegarder, ouais. Donc 30 heures, 40 minutes et tout. Ouais, je suis quand même dégoûté que ma capture est foirée. Je sais pas si je l'avais dit tout à l'heure. Enfin tout à l'heure. Tout à l'heure pour moi, dans la précédente vidéo pour vous. Je me suis rendu compte que ça avait foiré. Bon. Je sais pas comment je vais faire, si je fais un montage, ou enfin, si j'en supprime, j'en sais rien, je sais pas, ou si je recommence par-dessus, si je recommande par-dessus, pardon. Ouais, bon, ça, on s'en fout pour le moment, voilà, tous les mémos. C'est comme ça qu'on apprend, voilà, c'est comme ça qu'on découvre le scénario, hein. C'est comme dans tous les RE, on découvre le scénario, voilà, par mémo. Ça sera une porte où on pourra faire des jeux bonus, en fin de compte, on va avoir accès à un stand de tir. Et on pourra, welcome! Et on pourra donc faire des petits jeux pour gagner des sous et tout. Pour gagner des pesetas. Ouais, donc je vais d'abord vendre, comme d'habitude, toujours le même principe. Hein, on vend ce qu'on a, on associe nos trésors, on vend évidemment ce qu'on a. Et puis voilà, et puis après on optimise ou on achète de nouvelles armes. Tout en sachant que j'ai, de toute façon, j'ai pas la bonne technique. Voilà, à mon avis. Mais bon, je vais continuer comme ça, avec mes pauvres armes. Enfin, mes pauvres armes. J'ai quand même mon magnum, quand même bien optimisé, mais bon, enfin bon, bref. Faudrait que j'agrandisse ma mallette aussi. Par contre, j'ai pas de bazooka. Ouais. Bon. Là, je crois que. Mais si, quelconque, il y avait les tonneaux. Il y avait les tonneaux. Donc voilà, donc hop. Et là, si mes souvenirs sont bons, on va accéder à. Il y aura deux boss derrière. Les fameux. Ah non, bah c'est pas là. Non, non, je raconte des conneries. Non, non, c'est pas là. On va y arriver, mais c'est après. Alors par contre, là, je me rappelle plus du tout. Toc, toc. Ouais, vous avez vu encore la grandeur du truc, quoi. Regardez-moi ça. Donc c'est là qu'il y aura le. Qu'on aura Salazar. C'est là qu'on aura la transformation de Salazar. Donc, bon. J'en dis pas plus non plus. Boum! Donc là, on va essayer. Voilà, de les brûler par leur torche, en fin de compte. Quand ils commencent à vouloir nous cracher du feu, là, ou nous brûler, on tire dedans. Et évidemment, ils vont foutre le feu à eux-mêmes. «
Un coup de pied, un coup de tatane. On va l'avoir un coup de tatane. Ouais, nous, la technique, toujours pareil, hein, voilà, une balle, un coup de pied, et en plein cœur. Voilà. Allez, coup de pied, tout en se méfiant, parce qu'il y a des fois où, de la façon vous l'avez très bien vu, des fois, on s'attend à ce qu'on ait l'action coup de pied, hein, le X avec coup de pied, la touche d'action qui s'affiche, et en fin de compte, il n'y a rien qui s'affiche du tout. Là, on se sent un petit peu seul. Donc, toujours, ces fameux tonneaux. Voilà, des petites choses à prendre. Voili, voilou. Bon, je crois que j'ai fait le tour, là, ouais. Là, il n'y a rien. Ok, d'accord. Par contre, après, je me souviens plus. Ouais, il y a une histoire de... Ouais, une histoire de chariot à faire descendre, un machin, un truc à actionner encore. Je me souviens plus bien. Ouais, le chariot, il est là, voilà. Je ne me souviens plus trop. Je ne me souviens plus. Il m'a vu là. Il m'a vu. Bon. Ouais, d'abord je suis. Ouais. Je suis un petit peu vide, hein. Ouais, je suis désolé, ouais, moi je parle pas trop de toute façon, enfin je suis désolé. Ou pas, enfin j'en sais rien. Je préférais que je parle peut-être pas quand je parle pas beaucoup. Mais j'essaie de me concentrer parce que bon, j'ai un peu tout dit, voilà, bon, mis à part voilà, les techniques du coup de pied, du couteau pour économiser un maximum nos balles. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Hein. C'est de se concentrer un maximum, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Boum, boum, boum. Donc là, c'est peut-être pas la bonne technique, par contre. Le fait de se... coup de grenade. Le fait de se retrouver... acculé. C'est pas super spectaculaire, oh là là, mais je me fais encore. Donc évidemment, évidemment, faut qu'il y ait ça, voilà. Voilà, je m'en sors pas trop mal, là, je dirais. Pour l'instant, enfin, il suffit que je dise ça. À l'instant même où je dis ça. Bon, je dis plus rien. Donc là je vais prendre, regardez la petite barre blanche en bas à droite. Hop, vous avez vu qu'elle a de vie. Hein. Elle s'est augmentée. J'ai upgradé ma barre de vie en fin de compte. Voilà, elle sera beaucoup plus importante maintenant. Enfin à chaque fois qu'on prend ce cocktail, ce fameux cocktail, je sais plus si je vous l'ai dit, quand on mélange son herbe rouge, son herbe verte, pleine tête, et son herbe jaune, donc ça nous fait une superbe potion qui nous restaurera toute la vie. Toute notre vie et en même temps on pourra upgrader, on pourra donc améliorer la jauge de vie, l'agrandir quoi. Voilà, donc là donc voilà, donc le levier est là, et le pire c'est que je me souviens même plus de ce qu'il faut faire exactement. Je me souviens plus trop de ce qu'il faut que je fasse. Allez, mais ils sont immortels quoi, putain. Allez. Donc il est mort, on a toujours moins à prendre. Petit trésor caché. Ouais, donc voilà. Et puis voilà, bon, le levier il est là. Ok, un disjoncteur. Voilà. Par contre, ce que je voudrais savoir, c'est ce que ça actionne, je me souviens plus. Oh putain! Oh putain, quel con! Mais quel abruta! Quel abruti final. Là c'est que je voudrais être tranquille là-haut. Actionner mon disjoncteur.
J'aurais dû l'actionner tout de suite, voilà. Complètement con, complètement abruti. Bon, je vais prendre un spray. Là, franchement, là, c'est gaspiller de la vie, mais vraiment pour une main. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, allez. On va aller... récupérer ça. Pendant que c'est calme, parce que je pense que dès que je vais actionner le disjoncteur, évidemment, il va y avoir un... là ouais, donc là j'actionne mon chariot, le chariot arrive et après il faudra que j'actionne le disjoncteur là-bas. Bon, en fin de compte j'ai bien fait de revenir sur mes pas pour regarder s'il n'y a pas de petits trucs à prendre pendant que j'étais au calme quoi, sans ennemis. Donc. Putain, mais sort d'où lui, Alphonse, là? Allez! Putain, je vais pas me faire péter la gueule. Non, parce que non, je vais pas me faire péter la gueule parce que, en fait, elle explose, la dynamite explose que quand ils sont morts. Donc, voilà. Quand les porteurs décèdent. Ça, c'est beau. Enfin, c'est beau. On a vu sa grosse tête. Ça prenait tout l'écran, là. Allez, coup de pied, on va enchaîner. Il est pas mort encore, je crois qu'il était mort ce con. Ils sont immortels, vous voyez, c'est ce que je disais, ils sont de plus en plus durs à tuer. Bon, par contre, il faut que je m'arrache, demi-tour. Putain, c'est vrai que c'est rigide. C'est vrai que c'est rigide quand même. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah bah voilà mon pote. C'est vrai que je me disais, tiens, il y a longtemps qu'on les a pas vus. Évidemment. Oh putain. Non, bien, graphiquement, vous voyez, enfin, je veux dire, il n'y a pas réellement de niveaux qui sont moins beaux que d'autres. Voilà. Dans certains jeux actuels, on va dire, ah putain, oh, ça c'est super beau. Ça, cette partie-là, elle est super belle. Ouais, donc là, je descends mon chariot. Ok, donc ouais, dans cette partie là elle est super belle et tout, puis après on va arriver dans un autre passage du jeu, on va dire putain mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, mais c'est super moche quoi, c'est super méga moche quoi, c'est voilà, là tout est beau, enfin tout est, non tout est, y a rien à dire quoi, franchement y a rien à dire, bon mis à part que j'en chie, hein, comme d'hab, hein, vous me direz, de toute façon c'est pareil, oh là là putain. Spray parce que de toute façon il est... Oh, il m'a fait peur ce con. Mais pourquoi je me laisse prendre? Pourquoi je donne pas un coup de couteau? Putain mais je suis un peu... Voilà la dynamite, d'accord. Mais je me souviens même plus ce qu'il faut que j'en fasse quoi. Recharge un petit peu. J'ai l'impression que ça ou rien, c'est pareil là. Contre eux là. Donc lui il est mort, d'accord. Donc j'espère qu'il n'y a rien qui va sortir. C'est bon. Ah. Donc fusil pompe, ça c'est bon. On va prendre ce qu'on a à prendre. Ils sont là-bas. Putain, je me souviens plus de ce qu'il faut que je fasse, quoi.